Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Authentique. Et on se retrouve sur Final Fantasy XV. Et je crois qu'on était dans la période un peu triste où ça partait en cacahuète et que Noctis n'était pas très aimé de ses camarades. Allez, on va continuer gentiment. Je sais pas trop où on va. Il y a des points d'interrogation. On va déjà aller voir ça. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Les 4 secondaires, ça. Jeune homme, s'il vous plaît. Mes trésors, Ar, Keo, Ei et Bis se sont fait la malle. Vos quoi ? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous venez de me dire. Ce sont les noms de mes adorables petits poussins Chocobo. Je les ai emmenés en voyage avec moi. Mais ils se sont échappés. Heureusement, ils ne vont jamais bien loin quand ils font une fugue. Ils doivent être quelque part dans la gare. Vous voulez bien m'aider à les chercher ? Ok. Whoopiting, on va trouver des Chocobo. Ah bah déjà, il y en a un là. Ah oui, d'accord, voilà, je vais à la chasse à la poule. Voilà. Je pense pas qu'il soit si loin là-bas. On peut passer là-bas? Ah ouais. On va aller jusqu'au bout, mais je pense pas que ce soit là-bas. La chasse aux poulets Chocobo. Alors j'ai changé un petit peu leurs équipements. Ça leur donne des autres caractéristiques. Et j'ai fait tout ça en off. Je leur ai équipé aussi des petits objets magiques, certains pour avoir plus de défense. Noctis, il a un truc pour trouver plus d'objets après les combats. Moi, je suis allé là, je savais que ça servirait à rien. Et je crois que là on commence à avoir un niveau un peu bas pour faire les quêtes principales. Je peux pas aller plus vite, allez. On va pas pouvoir appeler les chocobos là. Non. En bas les poulets, hein. Je pense que si. Oh, ça m'a fait flipper ça. Alors, vous êtes arrivé à Cartanica? Ouais, on est à la gare. On va chercher le tombeau royal. C'est le plus ancien. Il se trouve tout au fond de la mine. Normalement, il doit y avoir un ascenseur près du Cadlacar. Prenez-le pour y aller. D'accord. Soyez prudent et bouchez-vous le nez. Hein? Comment ça, bouchez-vous le nez? Ça va se dire à merde. Ah, mais il est là. Apparemment, pour descendre dans la mine, faut prendre l'ascenseur. Je me demande si le tombeau est tout au fond. Les autres sont partis manger un bout. T'as vu? Ils ont transformé un wagon en hôtel. Ouais, mais moi je voudrais récupérer le poulet quand même. Va être bien loin ce poulet. Trop poulet. Trop poulet. J'entends.
J'entends un bruit là. J'entends un bruit. Oh putain, s'il faut passer dans tous les wagons pareil. Ah, ils sont là, eux. Faites pas la gueule, ça va s'arranger. La chasse au poulet, ça commence bien. Ah. Voilà, deux poulets. C'est bloqué. Deux poulets. Là aussi j'entends un poulet. Entendu par là, mais bon, il va y en avoir un au fond. Là, je t'ai vu le poulet. Ok, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Trois poulets. Allez, le dernier poulet au fond et puis on n'en parle plus. Même pas. Ah. Ça c'est pas cool. Oh là là, il va manquer un poulet. Il va me manquer un poulet. C'est que j'ai pu laisser passer ce poulet. Ça se repasse, hein. Ouais, d'accord. Bon, il y avait un poulet ici. Ils en ont pas mis deux. Ça m'étonnerait. Non. Je crois que je m'en fous. Je m'en fous. Nous aurons peut-être de bonnes nouvelles concernant Dame Luna Freya. J'espère. Mais il faut pas trop s'attendre à un miracle. Ah ouais, elle était morte. Enfin, elle est morte, la Dame Luna Freya. Ah, poulet, non? Sans décoller. Ah là, là, c'est pas cool, là. Mais non, s'il était pas là, il va pas revenir, hein. J'ai enfin découvert pourquoi ils ont fermé Castino. C'est pour pas que t'y ailles. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait plein de monstres dedans. Tu parles, faut pas croire tout ce qu'on te raconte. Merde. Il manque un poulet, là. Lui, il vend des armes de ouf. Si vous allez à la mine, vous êtes dans le bon magasin. Épée sanglante. Mais j'entends le poulet. Ah, c'est 1000 balles, hein. Repassez me voir. Jamais de la vie. Bon, le poulet, je l'ai entendu, là. Il a piou-piouté. Ah, il doit être en bas, ce poulet. Il doit être en bas. À tous les coups. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bienvenue.
Notre sélection est limitée, mais les produits sont de qualité. Putain, mais je l'entends à droite, le poulet. Alors, à bientôt. Bon, je vais faire comme s'il était en bas. Je suis sûr qu'il est là. Il est où le poulet ? Il est là-bas le poulet, alors. Mais arrête de sauter. Ça y est, j'ai enfin chopé le dernier. C'est pas les meilleures quêtes du jeu ça quand même. Hein. On va choper les poulets. C'est pas dingo. Bon, par contre, le design, il est toujours top. Hein. Il n'y a rien à dire. Bon, le poulet, c'est fait. Voilà, madame. Hop là, c'est pas ici. Il y a lui, là, mais j'ai pas trop envie de faire lui. Ce sont les poussins chocobo les plus mignons du monde entier. Si tu le dis. Bon, qu'est-ce qu'il me demande de lui ? Salut, vous voulez bien aider un journaliste ? Je ne sais pas si vous le savez, pas trop, non. Mais cette mine a été fermée suite à un accident d'origine inconnue. Je suis venu en train de très loin pour faire un reportage photo spécial sensationnel et essayer de percer le mystère qui plane sur cet endroit. Malheureusement pour moi, il se trouve que la mine grouille d'effroyables monstres. Perso, je suis du genre à gratter du papier plutôt qu'à brandir une épée. Mais je me suis dit, vous avez l'air courageux. Vous pourriez aller prendre quelques photos à ma place. Trois de l'excavateur, sous trois angles différents. Faut aussi une cabane abandonnée. Si vous arriviez à me rapporter toutes ces photos, ce serait excellent. Je compte sur vous. On verra. Ce qui est surtout excellent, c'est que j'ai même pas eu le temps d'en placer une. On verra. Bon. Si j'ai bien compris, on se barre avec... Eh ben attends. Si, c'est ça. Bon allez. Descendre vers la mine. Mais la nuit, c'est pas ouf en vrai, là. J'y vais la nuit, moi. C'est bon? Tu es prêt à y aller? Bah... Vas-y. J'arriverai à me débrouiller. J'y vais la nuit, moi. Pas bon délire, ça. La mine de Caistino. Autrefois très fructueuse, la mine de Caistino est désormais abandonnée et envahie par des créatures sauvages. Cependant, selon Cor, j'ai pas le temps de lire la suite. Allons-y. Le tombeau doit être tout au fond. À votre avis, c'est pas trop risqué là-bas ? On ne sait pas ce que nous réserve la faune locale. Si on doit l'affronter, restons sur nos gardes. Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, je l'ai pris lui, mais il est aveugle. Ennis avance lentement du fait de son handicap. Gladio et Prompto restent près de lui pour l'aider. Essayez de ne pas trop vous éloigner de... Ouais, j'ai peut-être pas géré là, en vrai. Il va où, lui? Ça va, Gilbert? Sous les slides topiques. Bon. Ignis, fais gaffe. C'est casse-gueule. Merci. Je vais essayer. Prends tout ton temps. On n'est pas pressé. J'aurais peut-être pas dû le prendre, en vrai. Viens danser. J'ai du soleil sur la peau. On n'est pas arrivé.
Hey, votre majesté, ça. Ce serait trop demandé de ralentir. Et toi, ce serait trop te demander de la fermer. Sacré ambiance chez les copains. Bien lancé. Lé-la-la-lé-la-la-la. Attends, mais l'autre, il voulait pas que je prenne des photos, là. La mimolette. On verra plus tard. Pas bon délire ça. Alors, un panneau de contrôle, ok. C'est quoi ce truc? On dirait le panneau de contrôle de cette grosse machine. On c'est dirait ça. Surtout qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a à faire hein? Ouais. C'est quoi ce truc? On a compris. T'énerve pas. Y'a rien à faire. Y'a un truc à lire, y'a pas de truc à lire. Alors, le tombeau serait là-dessous. Ignis, vas-y doucement. Merci. Et où ? Il en manque un, là. Le générateur est équipé d'un moteur. Il faut la clé. Stop. Il faut la clé. Là, il y a du monstre, j'entends. C'est quoi ce truc-là? Hein? Tu crois qu'on peut passer? Et je vais faire un atchoum. Cette machine bloque complètement le passage. On doit pouvoir la déplacer. C'est fort probable. Il suffirait de trouver les commandes. Ça doit être ce qu'on a vu tout à l'heure. Espérons que ça fonctionne. Allons essayer. Est-ce que tu veux faut remonter là? C'est fou de moi lui. Ça doit être le tableau de contrôle. Vous voyez les commandes? C'est ça? Psst, quelle merde, ça s'est arrêté! Bordel! Alors, quand c'est comme ça, faut allumer les générateurs auxiliaires et paraît que la clé est dans une cabane. Et elle est où cette cabane, Sherlock? Je sais pas. Je me souviens pas en avoir vu une, en tout cas. Elle doit pas être loin. Il suffit de chercher là où on n'est pas allé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les deux, même. Oh, ça envoie du lourd, ça. Hop, hop.
Excellent. Oh. Essaie de pas trop te mettre devant. Désolé si je t'ai gêné. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu veux y aller tout seul ou quoi? Ah merde, j'ai plus de peine magie. Ah ouais, d'accord, ça part vite. Je leur ai mis un... Enfin, j'ai fait en sorte qu'ils attaquent plus fort, mais du coup, les points de magie, ils galèrent à remonter. Et sinon, ils mettent pas les mecs. Non, c'est tout seul en fait. C'est quoi ce bug? Il a bugué lui. Mais c'est ça la cabane et compagnie là, il fallait que je prenne en photo. Comment on fait la quête? Lui on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça? Partenaire inoubliable. Il y en a trop, il y en a tellement trop. C'est celle-là la photo, ouais, c'est ça. Attends, on va y aller là. 100 mètres ici, 200 mètres, 100. Merde, on peut pas y aller comme ça. Ouais, j'y vois tellement rien. Quand tu veux mettre. Pourquoi tu cours? Mais je t'ai pas demandé de venir, je vais juste faire une photo, casse pas la tête. Ouais, j'ai pas géré, j'aurais pas dû prendre. Inis. Photo. Qu'est-ce que tu veux, appareil photo, mode photo? Ah ouais, carrément. Et je photographie quoi là? Attends. Qu'est-ce que c'est photographie là? Qu'est-ce que je photographie, mon gars? Ça là, l'excavateur. Ah, mais attends, mais l'excavateur c'est quoi? Ça là, écoute, j'en sais rien moi. Je te prends une photo, elle sera dégueulasse. Voilà. Comment on fait là? Tac tac, changer de vue, non? C'est trop sombre, on voit rien du tout. Faut que je reprenne une quand il fera plus clair. Quoi? Oh, va te faire un... Voilà. Quête, hein. S'il fait pas clair, eh bien... C'est pas mon problème. Il n'a qu'à aller faire lui-même ses photos, lui.
Bon, on va direct à la quête. Hein. Pas s'emmerder. Pars pas tout seul devant. Ah. Si, si, mais j'ai pas le temps. Hein. Reste là-bas. On peut y rester 3 heures sur cette quête. Hein. On a été où là? Là on descendait. Putain, je me suis planté là, tous les coups. Tous les coups, c'est pas le bon. Jusqu'au matin. Très bien, bon, on peut la faire maintenant la quête du truc là. En bas. Là il dit en haut, il se fout pas de moi lui. Trouver la cabane. Quelle cabane? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais faire une photo. L'excavateur. C'est ça que tu veux? Allez, photo. Ah, c'est un petit peu coupé là. Quoi? Bon, je pense que ça fera l'affaire. Casse la tête lui. Par contre, c'est où ça? Quelle cabane? Oi, oi, oi! Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Une cabane, il n'y a pas de cabane. Une cabane. Parole, on pourrait lui acheter une laisse, ouais. Attends, 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 laisse-moi tranquille. Je vois pas ce qu'il raconte. Ouais. Ça n'a pas de sens ton histoire. Là, je suis sûr qu'il faut que je fasse une photo. Oi, 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 mais qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des cabanes ici. Là-bas. C'est pas une cabane, ça? Comment on y va? Vite. Attends, je suis en galère, il me faut une cabane. En plus,
plus, il faut que je fasse la photo d'une cabane aussi, il me semble. Ça, c'est la cabane. Je l'ai trouvé. Elle est là-bas. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse la photo de la cabane? Il n'y a pas une photo de cabane, si. Voilà, c'est parfait. Je fais deux quêtes en même temps, là. Ah tiens, ça doit être cette clé. Ils sont vraiment pas prudents. Moi je l'aurais pas laissé dehors. Où sont les générateurs? T'inquiète, c'était écrit sur la pancarte. Allez, on y va. T'as remarqué qu'on était derrière? Je m'en balais que... Je me fatiguais à me parler comme ça. Ça ferait une super destination de vacances ici. Je te rappelle qu'on n'est pas là pour s'amuser. Alors. Une super destination de vacances? Ouais, t'es chaud toi. Qu'est-ce que c'est ça? Crapoto basta! On ne tue pas, il ne laissera jamais tranquille. Faut y aller, faut y aller! Je vais te... C'est sympa. C'est sympa les monstres aujourd'hui, ils m'attaquent pas. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, regarde. Ils marchent encore? Vas-y, essaie. Le câble a l'air intact. Essaie de pas tout casser. Tu peux me lâcher la grappe un peu? Eh, il me fatigue le gladio, hein. Ça a marché. Ouais, et maintenant le deuxième. Sérieux? Faut vraiment qu'on allume deux générateurs? Vu la taille de cette machine, c'est pas étonnant qu'elle ait besoin de beaucoup d'énergie. Aïe! Aïe, aïe! Petite photo pour le plaisir. Il est où Gladio? Parce qu'il fout, hein. Et voilà. Parce qu'il branle, hein. On a niqué Gladio là. Je vais mourir à cause de Gladio.
Ça vous dérange pas que je suis en train de crever là? Bon, laisse tomber, c'est super ses copains aujourd'hui. Ils ont bien décidé de me niaquer la gueule. Noctis. Mais Gilbert Montagné, il a bagarré là. Il a dit oh, je peux oublier. Et voilà, c'est fait. Il faut vite déplacer cette machine. Si ouais, le c'est générateur bien. Lâche, on est foutu. T'as pas de retard. Je sais. T'as, je suis pas calé, moi. Oh. Avance à ton rythme, Ignis. Tu veux y aller tout seul ou quoi? Bah, de toute façon, t'es pas là, alors ne casse pas les bonbons, toi. Ça a marché? En tout cas, ça a bougé. Ouais. Allez, vite, on va voir. Toc. Tu veux entrer dans le tombeau? T'es sûr que t'es prêt pour ça? Tu te fous de moi? Tu vas communier avec ton ancêtre, dans cet état d'esprit. D'ailleurs, dis-moi, honnêtement, t'es prêt à aller jusqu'au bout? Bien sûr que oui. Et même si j'ai pas envie, il faut bien continuer à aller de l'avant, non? Quand on est roi. Voilà, c'est exactement ça. Dans ce cas-là... vraiment fait un effort pour le montrer. Il me casse la tête, lui. Vous recevez l'effet détermination, plus 50% en constitution pendant quelques temps. Et ben voilà, tu vois, il n'y avait pas de quoi râler. Ouais. Elle est grande, cette caverne. Le tombeau a l'air encore loin. Tu veux rester là? Quoi? Tu veux le laisser tout seul? J'ai jamais dit ça. Dis donc, y a pas une drôle d'odeur? Ignis, fais attention à pas glisser. Alors, si j'ai bien compris, l'entrée du tombeau est cachée quelque part par ici. Oh, le tombeau. Tombeau, tombeau. Et comment? Hé, hey, regardez! C'est louche ce truc-là, non? T'es où, toi? Quoi ces trucs-là? On dirait des œufs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose caché derrière. Merde! C'est quoi ça? Oh! C'est une bouche! Qu'est-ce qui...
vient d'apparaître. C'est pas du chakra. Prends ça. Ouais, m'a déglingué. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je fous? Putain, je vais où là? C'est dégueulasse! De l'adion! Inis, Inis Xia, instant tous les PV. C'est la merde. J'ai fait de la merde. Ouais, peut-être. Ah, t'es cave. N'en fais pas trop. Ah, ça c'est lourd ça. Shoot-le. Pourquoi il se remet de la vie lui? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est rien, j'ai aucune idée. Dis pas ça. Il doit bien y avoir un moyen. Le moral est entré dans un état de rage folle. Le morbol. Pas le moral. Restez à distance pour éviter ces arènes fétides. Et reprenez les forces en attendant le calme. C'est où le point indiqué? Noct, j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose. Ça devrait aller mieux maintenant. Acuité élémentaire. Merde. C'est pas fini cette histoire. C'est super corrosif ce truc. Eh ben, dis-donc. C'est quoi ça, acuité élémentaire? Compétence, attends. Aptitude. Non. Équipement, peut-être. Acuité élémentaire, qu'est-ce que c'est que donc?
détecte la vulnérabilité élémentaire d'un ennemi et l'attaque avec l'élément approprié. Mais du coup, il va plus me soigner. Comment que ça fonctionne cette histoire? Rassemble les alliés. Ah, moi je veux qu'il me soigne. Je préfère qu'il me soigne. Hein. On nettoiera jamais tout ça à la main. Le mieux c'est de les brûler. Il y a une porte. Non mais quelle idée de construire un tombeau dans cet endroit. Allez. Ça va être une arme de fou furieux. Un katana. Dépêchons-nous de retourner à la gare. Ouais, ok. Attends, katana du combattant. C'est-à-dire... 361 dégâts, c'est énorme. Le katana le plus ancien roi, dont le caractère aurait complètement changé après la mort de son épouse de bien-aimée. Vas-y, ça me dit ça. Faudra tester celle-là. Un instant. Ça va pas? On peut dire ça, ouais. J'en ai assez de vous entendre vous disputer à tout bout de champ. Ne nous voilons pas la face. C'est vrai, j'y vois plus rien. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Cela étant dit... Je veux pas que vous vous en fassiez pour moi. Je veux continuer ce voyage avec vous. Je suis désolé, mais moi ça me plaît pas. Je vous l'ai dit plein de fois, au milieu d'un combat ça peut nous coûter la vie. Mais nous on est là et on l'aidera. C'est pas une question de pouvoir l'aider ou pas. Dans ce cas-là, il a bien le droit de choisir, non? Je sais ou quoi, je te parle pas seulement de ce qu'il veut. Je le sais tout ça. Je vous demande pas de faire attention à moi. Si je deviens un poids, je me ferai une raison et j'abandonnerai. Sa Majesté, elle en pense quoi? Nocte. Quand on est roi, on doit être capable d'avancer dans l'adversité. Et quels que soient les sacrifices, on doit continuer d'aller de l'avant sans s'arrêter. Gladio. Nocte est conscient de son devoir. Il a juste besoin d'un peu de temps. Ça va, c'est bon. N'empêche, ça change rien au fait que c'est dangereux. Alors faites attention. Ouais. On retourne à la gare. Et ça fait déjà 50 minutes, je pense qu'on s'arrêtera là. Ce sera déjà bien. J'ai réfléchi. J'aimerais quand même passer à Tenebrae. Cool. Moi ça me va. Fais-toi plaisir, vas-y. On va aller. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Souhaitez-vous repartir maintenant? Non. Non, pas encore. Aucun problème. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous nous tenons prêts à partir dès que vous le voudrez.
Ok, ça marche mon gars, mais d'abord on va aller au lit. Et puis on verra ça la prochaine fois. Mais je voudrais quand même finir le truc des photos. Il n'y a pas grand chose à faire, on le termine. Allez, hop, au lit. Exactement, se reposer. J'ai pris des photos aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse ? Non, pas vraiment. Je suis pas d'humeur là. Ok, je comprends. C'est fait tailler le frérot. Pas ça, Schwarzenegger. Allez, on s'arrête ici. On va s'arrêter là comme ça. Paf. Putain, je vois rien. Je peux allumer la lumière. Je suis con, moi je vois pas les touches du truc, je peux même pas quitter. Et con. C'est où? C'est là. Allez, on se quitte là. Sur ce. Bye bye. Et à la prochaine.